Hey, salut à tous, c'est Axelus et aujourd'hui on se retrouve sur Terraria en compagnie de Shakubu. Yo. Et donc on était au cœur de ce nid d'araignée et donc il fallait que tout simplement on continue dans cette petite voie de minage pour trouver un autre biome, un biome qui est aussi intéressant. Attends, c'est quoi ça? Il y a un truc tout à... Oula, ça... Attends, me dis pas que c'est encore un nid. C'est possible. Oh, punaise, elles nous ont dégommé la tronche. Oh là, elle s'est arrivée à je sais pas combien d'un coup, là. Je croyais qu'on allait les avoir facile. Oh, putain. Mais... Faut que tu te regardes sur le lit, fais un clic droit sur le lit. Ah ouais, putain. Oh, il pleut. Ça s'étend de plus en fait là les poissons en fait sortent de leur habitat naturel. Ils sortent de l'eau parce que bah, vu qu'il pleut il y a aussi de l'eau à l'extérieur. Mais bon rarement chez moi il y a des. Excusez-moi. Rarement chez moi il y a des. Il y a des petits poissons qui sortent avec leur petite papate et qui arrivent chez. Qui arrive tranquillement dans, à marcher et puis hop et venir. Mais bon après c'est un jeu justement, c'est le but. Étonné. Et donc là je vais tout simplement vous montrer en fait avec chaque coup le chemin en fait qu'on a retracé. Parce qu'en fait l'autre chemin en fait dans l'autre mine, l'autre épisode en fait il était un petit peu foireux. Et donc du coup en fait on a dû ah on aurait pu récupérer du bois. Bon, c'est trop tard. Ouais. Ou des torches parce que. Attends, j'arrive pas à 200 petites torches. Hop, là il y en a trop. Ouais. Ici, attends. Ouais, là, ici, là. Sur ce chemin. Tu peux en récupérer pas mal. Hein. Hop. Et si c'est vraiment un autre nid à araignée, ça risque d'être plutôt pratique. Je vous le dis très clairement. Parce qu'on pourrait trouver un autre truc. Et qui dit un autre coffre, ben dit. Dis que c'est pour moi. Attends, t'as des potions de vie. Fais gaffe. Ouais. Tiens, je suis en deux, c'est des grosses là. Des grosses potions de vie. Déjà en plus d'entrée en fait ce biome me faisait assez penser à un biome araignée, donc c'est pour ça que je me suis dit un nid d'araignée. C'est pour ça que je me suis dit. Hey. Attends. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, ça c'est le chemin. En fait, d'habitude, en fait, on était parti par en haut là. Et là, hop, tout, finalement, on s'est décidé de passer par là. Faudrait que je tenne ce piège. Hop. Vite. Attends, c'est pas où qu'on est passé. Ah, c'est pas là. Hop là. Hop. Moi, j'ai 6 torches. Oui. Éclairé là, voilà. Pour avoir un repère. Oh, fais gaffe. Qu'est-ce que c'est? Tu tapes aussi fort. C'est une araignée. Oh, je vois rien du tout, mais. C'est moi, je l'ai eu. Ouais, on peut en prendre un. Ok. Oh. Ouais, non, mais attends, on va tomber là. Attends. Prends une grosse potion, déjà. D'entrée, et on va pas tomber parce qu'en fait, il y a une. Enfin, ouais, mais il y en a qu'une. Vas-y, mets-en une. Attends, ouais. Mets-en une. Et donc on était parti par là. Là. Mmh. Hop. Eh. Attends. C'est bon? Vas-y. Ok. Attends. Voilà. Je suis pas un éclaireur. Attends, je reste en haut et t'en poses, ok? Enfin, méga jump. Ok, c'est bon. Bon, ça va, c'est pas très. Oh, allez, venez! Attends, vas-y. Non, mine pas! Oh, punaise, ok! T'inquiète. Oh! Oh, il y a un coffre là.
Attends. Je prends une autre potion. Attends. On va d'abord chercher le coffre de ce biome araigné. Peut-être que c'est la suite en fait de l'autre. Et pas un autre. Je pense. Il y a quand même une séparation de biome quand même entre les deux. Ouais, peut-être. Ah ouais, moi je vois pas pour ce qui pourrait être le coffre. Peut-être à gauche. Ouais, par là. Vas-y, on va chercher chacun de l'autre côté. Ah, quoique, attends, il y a un truc. Ouais, non, t'avais sans doute raison. Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a quand même un coffre, c'est ça qui est bien. Ouais, le truc en fait, le problème c'est que. Ouais, voilà, déjà on a du bois, ça c'est assez cool. Mais le problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'araignées. Et. C'est quoi ce qu'il y a à gauche là? Je sais pas, c'est de l'eau qui rayonne. Donc je pense qu'on va d'abord aller chercher le coffre et ensuite on. D'accord. On va leur péter les araignées. J'ai des bombes, ça va être trop drôle. Je vais l'utiliser. Attends. Ouais, vas-y, envoie une bombe. Une bombe. Deux. Cours. Non, saute. Oh punaise. Allez, venez là, venez. Elle peut pas se dépasser sur du. Banjoul. Yo. Je vais mourir. Tu l'es au lieu de faire le rampasse là, direct sur le coffre. J'ai même pas touché au coffre. Ah bon? Là, bon, j'ai touché. Ah, c'est un. Ah, bah, ça va nous aider. Ok, c'est. Ah, j'ai atteint une petite balle. C'est pas un flingue, non? C'est un. C'est une. C'est une truc à flèche de. Je sais pas comment je peux faire. Pour la aider. Non, c'est un truc de secours en fait. Je t'ai dosé. Oui. Oh! D'accord. Y'a ce que je cherchais! Il est là! Il est là, il est présent! Ah oui. Champignon. Le champignon biome. Aïe, ce serait bête de mourir. Il est là. Alors en fait, pourquoi est-ce que je cherchais ce biome champignon? Parce qu'en fait, tout simplement, en fait, ce petit biome. Va servir pas maintenant, mais tout simplement plus tard. Je pense même qu'on. Bon, d'abord, on va le visiter et après, j'en parlerai plus longuement. Bah, alors. Attends, t'aurais pas des bombes? Même des bombes collantes? Fais-en des bombes collantes avant de les jeter. Ouais, c'est bon. Vas-y, envoie. Sors de là. Vas-y. Libéré. Vas-y, envoie. Ça t'a tué les monstres, ça va faire mal. Sortez là, les potes. Ouh, en plus, t'as même pas touché le bio. Parfait ce que tu nous as fait là. Hop là, on va faire un maximum. Alors voilà, en fait, ce biome, en plus, on a une énorme chance. C'est qu'il soit très grand en fait. Je me rends compte, mais il est immense ce biome champignon. Donc en fait le truc en fait c'est que ce biome champignon en fait nous permet déjà d'avoir des champignons déjà et ensuite ça va nous permettre de créer une ferme à champignons en plus et vu comme il est grand déjà ça va être vachement facile et donc là il y a un coffre et donc t'as combien de vie? Un cœur, j'avais pas un coffre. 160. Ouais, donc y a pas de coffre, non. Et le truc en fait, c'est qu'en fait, bon, déjà vous entendez la petite musique d'ambiance là qui convient parfaitement bien. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que. Bon, d'abord, je vais vous montrer en fait d'abord un exemple parfait de. Donc attends, ce qu'on va faire, c'est que. Ce que tu vas faire, c'est que par le dessous, en fait, tu vas récupérer de la terre en fait. Je te montre. Ici là, par exemple,
par là, en dessous là. Tu vas récupérer un maximum. Enfin, ça, c'est un petit peu un tuto comment faire une ferme à champignons verte, enfin bleu. Par ici là, tu vas récupérer les blocs de boue sans abîmer le biome. Bon, là, je l'ai un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. Sans abîmer le biome, tu récupères des biomes de boue. Enfin, des blocs de boue. Et la continuité de la. Oh, il y a une statue de. Gobelin. Donc en fait, bon, je l'explique le temps que chaque coup fasse son petit averse. Donc en fait, je vous explique, en fait, il faut récupérer un maximum de blocs de boue dans le biome. Et tout simplement, en prendre un maximum d'en dessous, sans abîmer le biome, sans abîmer les blocs de boue qui sont déjà colorés, tout simplement. Et ça permet de s'assurer que le biome ne soit pas bloqué en fait, parce qu'en fait vous prenez un maximum de boue et les champignons pourront quand même pousser. Ça, c'est la magie, parce que les champignons peuvent bloquer, peuvent pousser sur un seul bloc. Et ça, c'est vachement bien. Attendez, est-ce que tu aurais des graines de biome de ce biome? Une graine bleue? Non, j'en ai pas. Donc voilà, est-ce que t'as vu ce que j'ai fait un petit peu chaque coup, ouais. Oui. Donc ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas. Tu vas. Où est-ce qu'ils sont les blocs de boue? Tu vas ramasser un maximum de blocs de boue. Et ce qu'on va faire, c'est. Mais dégagez vous! Et ce que tu feras, c'est que tu me les passeras tout simplement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut essayer. Hop. Bon, hop, ça, je le remets droit. Voilà. Que le biome puisse se répondre. Mais dégagez, bordel! Wouah! Dégagez! Mais hé! Hey, c'est pas possible! Hein. Hop là, donc en fait, tout simplement, en fait, bon, en plus, je peux. Hop, on a grandi un petit peu. Voilà. Et donc en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire plusieurs couches. Tout simplement pour que les champignons. Enfin, pour déjà le biome champignon se répande. Et qu'ensuite, en fait, depuis ce biome, eh ben, ça fasse plusieurs champignons et vous saurez plus tard pourquoi est-ce que je fais autant de champignons, en fait. Pourquoi est-ce que j'en fais autant de longueur. Hop, donc là, ici, on va agrandir. Hop là, tac, tac, tac. Donc là, je suis en train d'essayer d'agrandir un maximum. Donc là j'ai coupé très en gros, voilà. En gros, ça, c'est l'exemple parfait, en fait. Il faut juste créer des très longues longueurs avec tout en laissant couler des blocs de boue, ces blocs-ci au bloc de biome. Et ensuite, on fait une très grande longueur jusqu'à atteindre la longueur maximum que vous pouvez atteindre, et pour que le biome se répande et puisse faire pousser plusieurs champignons. Donc là, j'en ai fait un petit exemple, et ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire tout le long, là, tout là, et on se retrouve après. Qu'est-ce qu'on dit, Chapeau? Ok, à tout à l'heure. Allez, ellipse. Et nous revoilà. Et donc, voilà ce qu'on a fait, en fait. C'est, en gros, on a réagrandi, en fait, totalement. Et fait exactement la même chose que j'avais fait là, en fait. On l'a juste fait à grande échelle, en fait, ce truc, en fait. Et en fait, on a seulement agrandi le truc, et puis on a fait plein de petites barres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le biome champignon va prendre complètement, complètement s'étaler, en fait, sur toute la structure. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les barres, là, enfin, toutes les rangées de blocs seront devenues toutes bleues. Et donc, non, en fait, enfin, quoique, je sais pas, ouais, non. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire là, au pire. On fera là, après l'ascenseur. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu que le biome se répande un petit peu. Attends, parce qu'en fait, là où tu l'as cassé, en fait, il va pas se répandre, du coup. En fait, il faut minimum un bloc bleu, en fait, pour que le biome se répande, tout simplement.
m'occuper. Tiens, en passage, je regarde, c'est quoi ce truc? Ah non, on peut pas le récupérer. Putain! Et donc, pendant ce temps, en fait, pendant qu'on faisait le truc, en fait, il y a Shaku qui a droppé ce petit truc. Je vais pas. Normalement, je devais dire que c'était moi qui l'avais droppé, mais en fait, non, c'est trop la tarte simplement. En fait, il a droppé le coussin Peter sur un verre de terre. Pas un comme ça, mais un verre, un gros verre qui est passé, exemple, quoi. Oh! Et tout simplement, c'est un objet assez drôle. Oh. Quoi? Regarde ce que j'ai eu. J'ai trouvé ça. Bone Sword. Oh, elle fait du bruit. 16, comme le katana. Oh, c'est stylé. Putain, mais tu droppes plein de trucs, mec. Machine à payer. Elle a plus de recul que le katana, mais moins de coup critique. Ah, dommage. Bon, c'est pas trop. Et donc, en fait, le petit point positif de cette machine à P, c'est qu'on peut tout simplement faire un accessoire. Ce sera un P en boîte, je crois que c'est ça. Mais ici, les cordes. Plutôt. De quoi? Là, comme ça? Ouais, là, ici, là. En droite. Voilà. Comme ça. Après, genre, hop. Ouais, genre, j'ai une putain de bonne idée. Genre. Hop. Hop. Et voilà. Je vérifie bien qu'on est en train de tourner, quand même. Ce serait bête. Hein, ce serait bête. Ouais. Hop là. Et voilà, on a une petite. Voilà, donc je pense que dans le prochain épisode, la ferme aux champignons sera. Enfin, ça se répand pas très. Ça se répand pas très très rapidement. On peut le voir. Hein. Mais je pense que. Oula. Je pense que la ferme à champignons sera tout simplement toute. Enfin, sera bien terminée. Au prochain épisode. Putain, je gueule, pour le. Donc là. Et voilà. On garde le même style. Là, pinaise. Oh. C'est chaud, ouais. Hop là. Et donc voilà, en fait, la particularité de ces champignons, en fait, c'est que tout simplement, en fait, on peut les poser, en fait. On peut les poser pour former des gros champignons, en fait. Et ça, en fait, on va s'en servir plus tard. Pas maintenant, mais plus tard, on va s'en servir. Et on pourra. On peut aussi créer toutes sortes de choses avec les champignons, c'est ça qui est assez bien. Et donc voilà, là, en fait, là, le biome, en fait, c'est placé sur toute la surface. Et. Ça va se développer. Ouais, ça va se développer, on peut dire. Voilà, comme ça, hop. Ça va se développer, et après. Je pense que dans le prochain épisode on reviendra ici. Il faut que je rate très rapidement où est-ce que c'est. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tunnel tout droit là, tac, en ouais, tombant. Pour y arriver. Pour tomber directement dans la forêt de champignons. Je pense que ce sera. Le temps que je le fasse, la forêt de champignons sera. Enfin, en ta compagnie, bien sûr. Mais je pense qu'on tournera pas parce que. Tout simplement, c'est juste faire une tombée de. Je sais pas combien de blocs jusqu'au moment. Mais on pourrait le faire hein, jusqu'au nid d'araignée, comme ça il y a la coop qui nous arrête, je sais pas. Comme ça. C'est comme c'est ouais. Juste à côté la coop d'araignée. Attends, mais regarde sur la map. Le problème en fait ouais, c'est que. Le problème en fait c'est que. Il faudrait. faudrait qu'on tombe direct dans la forêt à champignons. Le problème en fait c'est que c'est légèrement à droite en fait la mine à ouais, bah, araignée. Un truc tout droit alors. Non enfin un petit tunnel. Ouais. Donc il faut voir aussi. Ouais, c'est quoi qui nous arrêtera? Faudra mettre de l'eau comme ça. Ouais de l'eau. Non, en fait, j'ai installé un petit bac. Un bac d'eau. Là n'est pas le problème. Alors, hop, on va récupérer
ça. Et je pense que dans le prochain épisode, on s'occupera peut-être de la Crimson, peut-être. On s'équipera pour. Puis on ira dans la biome Crimson. Hop là. Ah mais j'ai oublié. Mais oui. Attends. C'est quoi ce qu'il y a là-haut? Attends, bah c'est éclairé en fait. Hein. Hop là, bah récupère le tungsten. Ouais. S'il te plaît. Hop là. Non. Oula, mais c'est quoi ce qui me bloque? Mais en fait, là-haut ça brille, je sais pas si vous le voyez. Normalement oui. Mais en haut à gauche ça brille. Donc ça va être soit une plante ou bien une torche peut-être. Mais... Et des blocs. C'est peut-être. En plus c'est plein d'endroits que j'ai déjà visité. C'est peut-être toi qui as dû déjà l'avoir visité. Ouais, j'y suis déjà allé, ouais. Là. Ça me met que j'ai déjà découvert. Ah, en gauche. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ok, ben. T'as ramassé tous les minerais? Oui. Ouais, bon. De toute façon, on en repassera. Il va pas très loin. Ouais, oh. Il va pas très loin, mais. C'est déjà ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là, du coup? Le coffre à araignée, le coffre en or, que les deux je vais les mettre dans la maison. Le chandelier en or aussi je vais mettre dans la maison. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer à la maison. Et on arrêtera. On arrêtera à la maison. On remonte ou comment on fait? Attends. On meurt. Moi j'ai pas trop d'argent. Moi j'ai quand même 3 pièces d'or. Ouais ben moi j'ai pas d'argent. Attends, ce qu'on va faire c'est que j'ai une idée. Hop là. Alors ouais bon, attends. Hop ça. Ça crève. Ici je te montre un petit truc. J'y mets ça là. J'y mets là. Hop, mets ton fric, tu mets ton fric dedans. Et puis quand on fera le tunnel, et eh ben on pourra simplement y accéder plus rapidement. Et au moment voulu, ben on pourra récupérer cette thune. Potage. Hein. Hop. Oh, il y a un escargot. Ouais, un escargot. En plus, on pourra les récupérer plus tard. Attends, vas-y. Je vais me suicider. En compagnie de ces deux petits jeunes hommes. Merde, non, après, j'ai pas. Ouais, je suis le. Là. 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 Ouais, dans la jungle. Au passage, on pourra voir. Ce qu'on pourra faire aussi en armure. Hop là, alors. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu rajouter un nouveau coffre à la collection. Un coffre araignée. J'ai des minerais pour toi. Un truc. Ça. Vas-y, lance. C'est tout. Ça là. Après le cul, on en aura plus l'autre. Alors, ouais. Donc on va commencer par le plus haut parce qu'en fait c'est le mieux à faire en fait, c'est commencer par le plus haut. Alors, on va essayer de faire un maximum de plates d'or. Alors le but en fait, ça serait de faire deux pioches au-dessus du bois. Non, pas du tout. Ah ouais. Si, 8. Je sais pas d'où ils viennent. On voit. Donc il en faut 4. Bon, c'est parfait. Terrible. Oh. Est-ce que tu veux la pioche en or terrible? Terrible. Ça veut dire quoi terrible? Ou la pioche en or normale? Je sais pas. Dépêche-toi. Vas-y, la terrible. Allez, tiens. Tu l'auras voulu, hein? C'est celle qu'il fallait pas. Ah, pour 15 topazes, je peux me faire un topaz hawk. Comme ça, moi aussi, j'aurai un grappin. Hein? Ouais. Bon, de toute façon, c'est que pour. C'est que pour miner la pioche, au pire. Hein. Ouais, quand t'es toute petite, mais non, fais la tienne, toi. Ouais, alors, avec la mienne. Comment ça? Ouais, elle est
Toi, la tienne, elle est très légèrement moins, plus lente quand même. En général, si on peut pas faire des bouts d'armure, on peut pas. On peut. Attends, hop, je vais recueillir. Non! Sacrilège. Hop là. Là, on peut en faire beaucoup. C'est intéressant ça. On peut fabriquer deux casques en tungstène. Ouais, je veux bien. Hop là, il a une, ils sont vachement stylés, je trouve. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Glace. Bon, on va pas trop faire. Attends, j'arrête. Si on peut pas te fabriquer un. Un torse. De la même matière que moi. Hop, c'est statue. Tac. Ma fille. Et je pense que c'est tout pour le moment. Ouais. Bon, je pense qu'entre temps, on va. Attends, je voulais faire le. L'item, attends, le guide. Alors, artisanat, on va lui montrer le. Une étoile. Le coussin péter. Oh! Oh non! En fait, il faut un nuage en bouteille. Ah oui, double saut. Ouais. Pour ensuite le modifier. Donc je vais remettre tous les minerais à leur place. Tungstène. Tac. Un peu d'or. Du lead. Des minerais rares. Hop. Le diamant. Le topaz. Je vais placer les deux trois petites. Guirlandes par-ci par-là. Est-ce qu'on peut l'accrocher là? On peut pas. Toi, t'auras une maison de riche. Voilà. Un petit machin en or. J'ai plus que. J'avais le nom sous la langue, mais je l'avais plus. Une guirlande, enfin une statue d'arc. On va la mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, mais. Je sais pas où le mettre. Bon, je pense que. Qu'on fera le ménage dans l'inventaire plus tard. Hop. Je trouve cette porte là que t'as mis en haut. Je l'ai fabriqué en fait avec le bois que nous offre le marchand qui vient de temps en temps. Ah, il est pas toujours là. Ouais, c'est un marchand qui n'est pas toujours là en fait. C'est le problème. Attends, je pense que. Les tables aussi. Non, la table, ça tu peux le crafter avec du bois normal. C'est juste qu'en fait, c'est tout ce qui est dans la petite maisonnette qui est là-bas qu'on ne peut pas crafter normalement. Voudrais-tu une robe? Deux. Une robe. Comme cela. Non, merci. Envoie-moi ta cobweb. Tiens, en échange. Tu vas. Mettre... Ouais, trop bien. Des guirlandes comme cela. Je les mets où je veux. Ouais, tu les mets où tu veux. T'en as 3 de chaque couleur, tu les mets où tu veux. Hop. Alors. Ouais, bon, ben je pense que. Qu'on est bien comme ça. Donc. Je pense qu'entre les deux épisodes, je pense qu'il y aura, on essaiera de former soit la tungstène helmet, soit au minimum la lead, les chaussures en lead, histoire qu'on ait une armure minimum présente, quoi. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc on aura trouvé enfin ce biome champignon. Donc rapidement, je vais vous remontrer. Hop. Voilà, donc au passage, ça vous explique aussi comment faire une ferme à champignons, champignons bleus. Et donc, je vous dis ciao, salut à tous et à la prochaine. Salut.
Yeah.